That's all, folks. Gotcha. Gotcha. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, ici Captaminé. Aujourd'hui on se retrouve pour le spoiler du chapitre 1063 de One Piece. Calme ! Je vais pas spoiler depuis le début de la vidéo. On va d'abord faire une annonce pour la chaîne. Donc, désolé déjà pour l'arrière de Goldie Soul. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas fait d'intro. Donc la version Director's Cut qui va sortir avec une intro. Bah, à chaque fois qu'on réacte quelqu'un, il faut faire une intro. J'ai oublié l'intro. Personne ne m'a rappelé. Voilà, donc là, moi, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit non. Pourquoi il n'y a pas d'intro? Il faut qu'il y ait une intro pour Monsieur Goldie Soul. Après, pour le vote de la semaine, vous avez été une majorité à voter pour Udéron. Bon. On va react une vidéo en japonais, sans sous-titres. Et on va... passer maintenant sur le spoil du chapitre 1063. Donc, chapitre cosmique, chapitre universel. Donc là, si vous voulez pas être spoil, bon courage. Je vous conseille la grotte de Lourdes, parce que peut-être il y a une chance, il y a un miracle qui se produit, vous n'êtes pas spoilé jusqu'à dimanche. Donc pour les gens qui comprennent pas pourquoi on spoil, déjà, on spoil pour les gens qui ont déjà lu. C'est la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, ils ont déjà lu les spoils. Et en spoil, ça nous donne plus de temps de parler du chapitre. Donc là, vous croyez que nous, on regarde les spoils, c'est bon, on regarde pas le chapitre, non. On regarde les spoils, puis on regarde la version piratée, puis on redit le dimanche. Donc on est triple consommateur. Donc on soutient à fond le manga. Donc arrêtez de nous juger, s'il vous plaît. Donc, bye bye pour les gens qui ne veulent pas être spoil. Pour les gens qui vont être spoil, accrochez-vous à vos slips, parce que là, le chapitre, il a été écrit par Oda da Silva Junior Ronaldinho Messi. Parce que c'est pas du dribble, là, c'est... Il nous couche, il nous met des droites, il nous couche. Et c'est parti pour le spoil. Alors, bien sûr, avant de commencer, lâche le petit pouce bleu, abonne-toi pour suivre la chaîne. Je sens que je vais commencer à faire des bangs. Là, j'ai une poussée d'adrénaline. Je sens que je vais envoyer du lourd dans les prochaines vidéos. Donc, début du chapitre, avec la cover. La cover, on a Monsieur, toujours sur un flashback des Mets. On voit César, Judge et Queen qui regardent d'un air dégoûté Vegapunk qui est en train de faire des petites inventions toutes mignonnes. Des petits tanks qui lancent des fleurs, des petites télévisions avec des jambes. Et moi, je vous dis, cette cover, elle annonce la mort de Vegapunk. Hein? Oda essaie de nous faire sympathiser avec Vegapunk pour mieux le buter par la suite. Donc je dis espérance de vie de Vegapunk, là elle est malheureusement pour lui, elle est engagée. Donc dès le début du chapitre, ça reprend là où on avait laissé les protagonistes sur le dernier chapitre, l'attaque de Stushy sur Kaku et la surprise de Lucci. Donc Lucci attaque directement, il essaye de finger de Shigan la gueule à Stushy. Stushy qui utilise une technique dérivée du camier pour éviter l'attaque. La technique, c'est de faire des doubles en illusion optique. Stushy rate sa cible, il est toujours en forme normale. Et Stushy prend un rouge à lèvres où il y a du Kaioseki, l'applique, touche Stushy pour l'affaiblir, puis le mord pour le finir. Et il fait dodo. Lucci, il fait dodo, donc mathématiquement, Stushy niveau roi des cartes. Ouais, moi je vous mets ma main à couper. Il peut y avoir des gens qui vont avoir cette analyse. Et là, one shot. Donc là, il a utilisé son pouvoir. C'est pas spécifié quel est son pouvoir. Le rouge à lèvres, on voit qu'elle enlève le bout. C'est pas le rouge à lèvres qu'il utilise. Elle enlève le bout du rouge à lèvres et fait monter la partie en Kaioseki. Et le touche prend par surprise le chi et le mort en forme initiale. Bien sûr, elle arrive à l'assommer si elle a pu assommer Kaku en forme girafe. Donc, pas de souci pour Lucci. Et la scène switch sur le laboratoire. Le laboratoire qui est partiellement détruit par les Séraphins. On a Lilith
et Edison qui surgissent du laboratoire. Et Lilith va se faire allumer par le S-Hawk, le Séraphin Mihawk, qui ne rigole pas dès qu'il voit Lilith à l'attaque. Coup d'épée dans la tranche de Lilith, et là, on a l'intervention épique de Zoro. Donc, la plupart, on s'est dit que il y a pas un monde où le Séraphin de Zoro, de Mihawk, n'affronte pas Zoro sur cette île. Dès que on a eu connaissance de l'existence du Séraphin de Zoro, de Mihawk. Par contre, le combat dure pas longtemps. Donc là, Séraphin de Mihawk affronte Zoro sur quelques panels. On voit que le Séraphin de Mihawk, il est impressionné par la force de Zoro. Et moi, je pense que Zoro, là, les mecs, ils vont devenir fous. Allez, regardez, il combat une version améliorée de Mihawk. Donc, mathématiquement, plus physiquement, théorème de Pythagore sur cosinus cotangente de One Piece. Donc, Zoro plus puissant que Mihawk. Et moi, je vous dis, si affrontement il y a, parce que là, sur ce chapitre, il y a un petit peu d'affrontement, il y a un blocage de coups et une neutralisation du duel. Moi, je vous dis, s'il y a affrontement, Zoro, il va lâcher une phrase du style « La copie n'imitera jamais l'original » ou un truc de « Tu arrives même pas à la cheville de Mihawk ». Moi, je vous le dis. Si il dit un truc contraire, il dit « Ouais, je sais pas, tu es plus fort que Mihawk, oh là là, tu es trop fort, moi, j'arrête de faire des théories. » D'accord ? Je cite. Attends, je cite. Moi, je vous dis, Zoro, il va lâcher une phrase comme ça. Parce que, déjà, là, c'est juste pour les faire confronter sur les techniques. Donc, les Séraphins, on sait qu'ils ont une mémoire musculaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent répliquer plus ou moins les techniques de leur original. Par contre, ils n'ont pas de volonté et forcément pas de haki. Donc, dire que Mihawk est égal à S-Mihawk, c'est une grosse connerie. D'accord. Peut-être qu'on aura une correspondance de tous les Séraphins vont se battre avec leur double. Après, on ne sait pas. Donc, revenons sur le chapitre. S-Mihawk qui arrive, qui se fait des patates avec Zoro. Il n'y a pas de dominé sur le combat, mais le S-Mihawk il considère la force de Zoro. Par la suite, on a Edison qui est target par le S-Shark. Il va allumer le S-Shark et là, c'est Sanji qui sauve le S-Hawk. Les deux, le Vegapunk, ils sont attaqués avant qu'ils aient prononcé une phrase. Ils peuvent juste dire stop et ça annulera le contrôle des Séraphins par le CP0. Stushy ne peut pas contrôler les Séraphins parce qu'elle est sur le même ordre de contrôle que le Chi. Et les deux Vegapunk, ils se font attaquer même avant de dire stop. Donc quand ils sont en lockdown avec leur ennemi respectif, à savoir Zoro et Sanji, les Séraphins sont arrêtés par un ordre d'Edison qui leur demande de s'arrêter. Et là, Vegapunk reprend le contrôle des Séraphins. Switch sur l'île de Sphinx. On a l'île de Sphinx. Je me rappelle plus, c'était peut-être la review du 1060. Je vous ai dit, Weeble, il va partir sur l'île de Sphinx, il va allumer Marco. Donc là, j'ai à moitié raison, j'ai à moitié tort, vous prenez comme vous voulez. Mais l'instinct du théoricien me disait que Weeble était parti sur l'île de Sphinx pour se faire Marco. Et on avait mis dans le mille. Donc on apprend que Marco, à son retour, il est en train de voir les villageois. Il lui raconte que le village a été visité par Weeble et sa mère et que la marine a par la suite attaqué le village. Et que c'est Weeble et Stushy, l'original, qui ont protégé le village et qui ont permis la survie des villageois. Et on apprend que Weeble s'est fait capturer par Ryukoku. Donc le niveau de Weeble, on va dire, c'est normal, c'est un niveau chez Shichibukai. Donc, un niveau chez Shichibukai, invention mensongère et fausse. Quand tu vois Doflamingo allumer l'eau, tu peux pas dire qu'il y a un niveau chez Shichibukai. Moria qui se fait allumer par des pacifistas alors que Hancock les one-shot. Comment vous pouvez dire qu'il y a un niveau chez Shichibukai? Franchement, là, vous n'êtes pas sérieux. Donc, Weeble, dans le niveau de puissance, il est décrit comme un barbe blanche à sa jeunesse. Donc, barbe blanche dans la trentaine, il était le commandant de Xebec. Donc, je me dis commandant de Xebec,
Normalement, c'est équivalent à un YC1. Donc, il se fait capturer par Ryuku, un amiral. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je ne sais pas. Mais là, forcément, Weeble, ça va devenir, je pense, un niveau utile ou un niveau tombé repos. Va devenir un niveau merdique, je pense, vu qu'il s'est fait capturer par. Après, il peut être monstrueux et même plus fort qu'un amiral. Et s'est fait attraper par une technique. Moi, je pensais toujours que Ryukogu avait des techniques de malade mental, je sais pas, d'empoisonnement avec les fleurs, des trucs comme ça. Bon, dommage qu'il soit trop con sur Wano d'aller partir affronter tout le monde. Mais s'il avait utilisé sa jugeote, normalement, il y avait moyen de faire un truc. Donc, Marco s'explique avec cette fille qui lui dit qu'il faut impérativement qu'il récupère son fils. Et qui lui donne l'héritage de Barbe Blanche. Et là, Marco lui dit, ouais, merci pour le village, mais quand même, là, je suis occupé, j'ai des consultations. Et lui dit, non, c'est vraiment le fils de Barbe Blanche. Et si tu n'es pas sûr, demande à Vegapunk. Comme quoi, des Vegapunk, il est juste à côté, demande à Vegapunk. Donc là, on s'est tous dit, bon, après le chapitre 1072, il y a une paranoïa qui s'est emparée de toute la communauté. Donc là, on voit que des clones partout. Allez, vas-y, yo, Zoro, c'est le clone de Ryuma. Kuina, c'est. Tashigi, c'est le clone de Kuina. Bonnie, c'est le clone de Big Mom. Et l'autre là, c'est le clone de je sais pas qui. Les rageux qui disent, ah là là, qu'est-ce qu'il y a d'être sur d'où cette histoire de clones? Et là, il faut répondre, ta gueule. Va lire la One Piece, les clones, on en parle depuis chapitre 300. T'as déjà les clones de Kuma, après t'as le Germain, donc c'est pas un truc qui tombe du ciel, le truc des clones. Par contre, c'est intéressant de voir qu'il y a des perspectives qui s'offrent là, franchement. Retour d'Erox, retour de Roger. I don't know. Ce serait difficile à gérer. Je me dis peut-être que. Luffy qui est destiné à dépasser Roger et Roger a battu Rox avant de trouver le One Piece. Pourquoi pas mettre un petit clone de Rox pour se faire éclater par Luffy? Ça lui ferait un peu de sport. Mais je sais pas. Je sais pas. Donc là, cette histoire de clone, elle ouvre une boîte de Pandore qui peut aller dans les deux sens. Mais on fait confiance à Maître Ronaldinho Oda. Normalement, il va en faire quelque chose de bien. Retour sur l'île d'Egghead. Et là, on est sur la fin du chapitre. Et là, on est sur de la dinguerie à niveau atomique. On a Musquin, Kizaru. Kizaru, mon pauvre petit Kizaru. On s'attend à ce qu'il fasse une dinguerie. Kizaru, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le serveur. Et il ramène des petits gâteaux. Il ramène du thé à une petite personne fragile, un petit vieillard. Avant de manger son petit snack, il fait goûter le snack. Et là, on découvre qu'il y a qui sur Egghead? On découvre qu'il y a un membre du Gorosei, Bob Marley Rastaman, lui-même, himself, monsieur qui s'appelle Saint Machin Chouette Saturne. Saturne? Comment ça, Saturne? Saturne, Saturne à gauche, Saturne à gauche. Comment ça, Saturne? Saturne dans ma tête? Hey! C'est quoi ces degrés? Donc, il y a un membre du Gorosei sur place. Donc, qui dit membre du Gorosei, automatiquement, reprise du contrôle des Séraphins. Comment va-t-il le faire? Est-ce qu'il va faire une annonce? Alors, bonjour les Séraphins, buter tout le monde? Je sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un membre du Gorosei, il est en train de taper la discute avec Kizaru. Kizaru lui demande s'il connaît Vegapunk, il lui dit qu'il a déjà croisé une fois. Et il dit, je suis désolé d'en arriver là. Ça veut dire qu'il va faire une dinguerie à Vegapunk. Donc là, prochain chapitre, pause Doda, ah, le salaud. Donc, on aura le temps de théoriser. Donc, là, petit chapitre, magnifique masterclass qui s'annonce. Bien sûr, je vais vous mettre les mots sur le résumé. On va très certainement 200% faire une review de ce chapitre. J'avais pas eu le temps de faire une review sur le chapitre 1072, mais j'avais des trucs à dire. Peut-être qu'on va faire les deux. Et autre petite annonce, oui, on va commencer les lives. Moi, je veux commencer des lives. On va voir comment ça se passe. Ok? Donc, en attendant la sortie unofficial et officielle du chapitre, je vous dis, prenez soin de vous. Bisous et bye. Aïe, 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 aïe.